Le rendez-vous a donc été ficelé et respecté par la Fédération Camerounaise de Handball pour le championnat national d'élite saison 2020-2021. Pour la énième journée, le centre multifonctionnel de Madagascar de Yaoundé a accueilli 4 matchs, dont 2 en dames et 2 en messieurs. Des rencontres aussi importantes pour le repositionnement au classement général, mais avec une visée pour les play-offs. Le public qui n'a pas hésité à venir vivre cette autre phase du championnat a pu apprécier la première victoire des Tigresses de Batchenga devant Yougdam 32 à 25, à la grande satisfaction du club de la Lekié. Nous sommes très heureuses parce que c'est notre première victoire, mais un peu malheureuses parce que ce que nous avons appris aux entraînements, nous n'avons pas pu mettre cela en pratique. Nous avons plutôt cherché à jouer comme, par rapport à l'équipe adverse, alors qu'on devait se surpasser et donner plutôt ce que nous avons appris aux entraînements. Puisqu'on avait des schémas tactiques à expérimenter aujourd'hui, du coup on n'a pas mis cela en pratique. Mais avec ce que nous avons d'abord dans la tête, nous avons de l'humeur de nous-mêmes. Une fois encore, le handball s'est illustré sur le terrain du centre de la jeunesse et d'animation de Yaoundé. L'ambiance, tant sur les gradins que sur le terrain, est restée dynamique et surtout conviviale pour le bonheur des principaux acteurs que sont les athlètes.